C'est le premier et sans doute dernier fils O'Hara du mémorable et regretté champion des paires de 2 ans, Indian Rocket. Conçu depuis 3 générations par Alain Chopard, O'Hara défaune la même où Indian Rocket s'était révélé. Captain Chop répond à tous les critères préférés de ses créateurs. J'ai eu son père pendant des années, Indian Rocket était trois fois premier paire de 2 ans sur 6 années. Ça n'arrive pas souvent parce que ça tourne beaucoup dans les étalons. Et ce poulain-là, il a couru sous mes couleurs. J'ai eu la mère, j'ai eu la grand-mère. C'est une souche vraiment, c'est une souche complète de chez moi, quoi. Gagnant de 3 courses en 9 sorties à 2 ans, il gagne d'emblée sur 900 mètres le prix du début par 5 longueurs à Saint-Cloud, puis termine cette riche saison initiale par un succès dans une listeude sur 1200 mètres à Fontainebleau, le prix Hérode. Ce poulain-là a débuté quand même au mois de mars, le premier Méden parisien. Il s'est envolé, la baie, il a gagné facile. Il a couru la Flèche, il a couru le Bois, il a couru le Papin, il a couru l'Eclipse, il a couru le Morny. Et en fin d'année, il gagne une liste de la Fontainebleau. Alors quand on démarre du mois de mars au mois de novembre et qu'on résiste à tout, à deux ans, quand on résiste à tout, c'est un vrai deux ans. Également placé de plusieurs listodes et de 2 groupes 3 à 2 et 3 ans, Captain Chop a commencé sa carrière d'étalon de façon quasi privée en 2013. J'ai essayé de jouer parce qu'on joue toujours dans ce métier-là. Je me suis dit cette année, je le lance tout seul. Je vais y mettre 12-14 juments, les meilleurs. Voilà. Les meilleurs. J'ai mis les meilleurs de l'élevage. L'objectif, c'est d'avoir un nouvel Indian Rocket. Voilà. Remplacer son père. La précocité de Indian Rocket, pour le moment, on ne l'a pas vu. Hein, dans les étalons après, voilà. C'était vraiment un vrai précoce, quoi. Et celui-là, c'est son fils le plus précoce qu'il ait eu. En 2014, je le mettrai en monde public. Voilà. Et je ferai des bonnes conditions pour les bonnes juments. Voilà, des très bonnes conditions, même, voilà. On va changer un peu les méthodes pour lancer un étalon. Et on va un peu essayer d'innover.